Aïcha, elle a un fils. Oh, il est beau son fils. Et elle veut le marier. Mais comme c'est son fils unique, ben, elle ne veut pas qu'il épouse n'importe quelle femme, non. Pour lui, elle veut la femme parfaite. Alors, ben, elle sait bien que dans son village, non, elle n'en connaît aucune qui ferait vraiment l'affaire. Il y en a qui savent faire la cuisine, mais quand elles savent faire la cuisine, le ménage, c'est pas tout à fait ça. Et puis quand elles s'occupent parfaitement de leur ménage, et ben non, la pâtisserie, ça va pas tout à fait. Non, il n'y a pas de femme parfaite dans son village. Alors elle met le chemin sous ses semelles et elle s'en va au village voisin. Eh ben, elle fait le tour, elle interroge, elle demande. Ben non, il n'y a pas. Bon, alors elle continue à un autre village. Et ben là, c'est pareil, il y a celles qui font bien la cuisine, mais le ménage laisse à désirer, puis il y a celles qui font parfaitement le ménage, et puis elle est toujours la pâtisserie, c'est pas ça. Et puis il y a celles qui s'occupent pas comme il faut du linge. Enfin, il n'y a pas la femme parfaite que Aïcha recherche pour son fils, ça, elle n'en a pas trouvé. Alors, de village en village, et ben elle poursuit sa quête, elle cherche. Et puis un jour qu'elle a beaucoup marché, elle arrive à l'entrée d'un village, il y a un vieillard qui est assis là à l'ombre d'un olivier. Oh ben, il lui pose même pas de questions parce qu'il sait ce qu'elle cherche. Il lui dit, nous au village, on n'a pas ce genre de personne, mais tu vois là-haut sur la colline. Eh bien, on dit que la jeune femme qui habite là, elle est exactement ce que tu cherches. Oh, Aïcha, eh bien, elle remercie le vieillard et puis elle monte là-haut, tout au sommet de la colline où il y a une petite maison. Quand elle arrive, oh, elle regarde le jardin est magnifique. Il y a des rangées de légumes, il n'y a pas une herbe folle. Les arbres sont chargés de fruits, pas de fleurs fanées, les rosiers sont splendides. Se dit peut-être. Alors elle frappe et la jeune fille qui vient l'ouvrir, oh, elle est belle comme un cœur. Elle a tout ce qu'il faut là où il faut. Elle lui dit bonjour, ma tante. Entrez donc, venez prendre une tasse de thé. Et Aïcha rentre. Et pendant que la jeune fille s'en va préparer le thé, Aïcha examine la pièce où elle se trouve. Ça sent bon la cire. Et elle passe pas son doigt sur les meubles, mais ça brille tellement qu'elle est persuadée qu'il n'y a pas un grain de poussière. Et puis la jeune fille revient avec un plateau avec le thé à la menthe et puis des petites pâtisseries vraiment enchantent les papilles de Aïcha. Aïcha qui dit à la jeune fille, c'est bon ces pâtisseries, où est-ce que tu les as achetées? Ah non, non, ma tante, moi j'achète pas, je fais. Non. Aïcha sort la photo de son fils qu'elle a toujours contre son sein et elle la montre à la jeune fille. Elle lui dit, tu vis toute seule là, tu voudrais pas épouser mon fils. Ben, la jeune fille, ça a l'air de lui plaire, elle a regardé la photo et franchement, il est quand même bien loin d'être moche, le fils, hein? Alors, elle dit oui. Et puis, elle sort, la jeune fille ferme sa porte et elles s'en vont bras dessus, bras dessous. Quand elles arrivent à la maison, ben le fils, lui, il dit oui, du moment que maman a choisi, c'est que c'est bien, hein?
Donc, il est d'accord pour l'épouser. Alors, le mariage est grandiose. Et puis, entre les deux époux, ça a été le coup de foudre. Ils s'aiment. La maison reluit. Aïcha n'a plus besoin de se préoccuper de rien. Sa bru est à son service. Elle devance même tout ce que Aïcha pourrait lui demander. Et au bout de quelques jours, le fils, il est obligé de repartir pour ses affaires. Alors, il se fait pas de soucis. Il voit que les deux femmes s'entendent bien, donc il les laisse. Les deux femmes sont dans le salon, là, elles viennent de boire leur thé à la menthe, quand Aïcha, toute pensive, dit à sa bru: finalement, t'as pas de défaut. Oh si, j'en ai un gros, mais je peux pas vous le dire. Bon, un gros défaut, pourtant Dieu sait si je t'ai examiné, mais je ne me suis pas aperçue que tu avais un si gros défaut que ça. Qu'est-ce que ça peut être? Ah oui, mais je ne peux pas vous le dire parce que sinon, vous allez plus m'aimer. Comment? Comment c'est possible? Je te considère comme ma fille depuis que tu as épousé mon fils. Comment je ne pourrais plus t'aimer? C'est pas possible, ça. Allez, dis-moi, qu'est-ce que c'est ton défaut? Ouais, je peux pas. Je ne peux pas vous le dire, c'est un gros défaut. Allez, vas-y, dis-moi. Eh ben, je pète. Tu quoi? Eh ben, je c'est pas un défaut, ça. Tout le monde pète. Moi, je pète. Mon fils, il pète. Mais c'est absolument pas un défaut, ça. Alors, tu te retiens depuis que tu es dans cette maison? Mais c'est pas possible. Allez, vas-y, lâche-toi. Et à ce moment-là, la jeune fille qui n'attendait que ça, pensait donc depuis le temps qu'elle leur tenait, elle lâche un vent. Un vent que le sirocco, c'est juste une petite brise comparée à ce paix. Qu'est-ce que je dis? C'est pas le sirocco, c'est une tornade, c'est une tempête, c'est un ouragan, ce paix qui envoie Aïcha plaquée contre la porte, cul par-dessus tête. Quand Aïcha se relève, elle a les yeux qui lancent des éclairs. Elle se rajuste. Elle regarde sa belle-fille. Si elle pouvait la clouer contre la porte, je pense que son regard le ferait. Elle lui dit: mais c'est pas possible. Mais c'est pas pensable. Mais c'est une honte que tu nous as fait ça, là. C'est pas, non, ça ne se peut pas. Alors, tu prends ton baluchon et tu t'en vas. La pauvre fille, qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse? Elle a pris son baluchon et puis elle s'en est allée dans le soir. Elle est partie toute seule. Elle a marché. La jeune femme s'est éloignée dans le noir. Elle avait son baluchon à l'épaule et elle a marché. Elle a marché longtemps, jusqu'à ce qu'elle arrive à une oasis. Là, il y avait deux chameliers. Ils avaient débatté leur chameau et ils étaient affalés au pied d'un oranger. Oh, ils avaient l'air fatigués. Ça se voyait qu'ils étaient fatigués, ils ne bougeaient plus. Et puis, il y en a un qui a dit: oh, je suis tellement fatigué, j'en peux plus, je n'ai même pas le courage de tendre les bras pour cueillir les oranges là au-dessus de ma tête.
Alors la jeune femme s'est approchée et elle a dit, si vous voulez, moi je peux les faire tomber, les fruits. Oh bon? Tu ferais ça pour nous? Oh bah écoute, si jamais tu fais tomber les fruits, ben, on est des marchands, on vend des tissus, dans nos coffres sont remplis de tissus et de robes plus belles les unes que les autres. Si jamais tu nous fais tomber des fruits, tu pourras choisir la robe qui te plaira. On te l'offre. Alors la jeune femme s'est approchée. Elle a lâché un vent. Un vent que le sirocco, c'est une petite brise à côté de ce vent. Et qu'est-ce que je dis? C'était un vent, c'était même pas, c'était une tempête, une tornade, un ouragan. Les deux marchands sont envolés. Regardez bien, peut-être qu'ils volent encore. Hein. Heureusement, les chameaux étaient attachés. Alors la jeune femme, elle a ouvert le coffre. Elle s'est choisie la robe qui lui plaisait le plus et elle l'a passée. Et elle a vu arriver une silhouette au loin. Et ben, c'était son époux qui s'en revenait. Il lui a dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Et la jeune épouse lui a raconté tout ce qui s'était passé. Oh, il a dit, c'est un malentendu. C'est pas possible, ma mère, elle est pas comme ça. Allez, viens avec moi, on rentre. Et ils sont rentrés bras dessous, tous les deux. Quand ils sont arrivés à la maison de Aïcha, ben le fils, il a sorti ses clés, mais la porte s'est ouverte. Et quand Aïcha a vu la jeune femme là, sur le pas de la porte, les yeux ont recommencé à lancer des éclairs. Le fils lui a dit, attends maman, t'inquiète pas, je gère. Il a fait rentrer son épouse. Et puis il leur a dit, vous pensez que vous allez pouvoir rester dans la même pièce toutes les deux sans vous battre? Moi je reviens. Il est sorti. On l'a entendu clouer, on l'a entendu taper, on l'a entendu marteler, scier. On a entendu des bruits de branches. Et puis le fils est rentré. Il a appelé son épouse, il lui a dit, viens avec moi. Tu vois, je t'ai construit une cabane où chaque fois que tu auras besoin, eh ben, tu viendras te réfugier là parce que la cabane, elle est en roseau. Et comme vous le savez, comme la jeune femme le sait, comme tout le monde le sait, le roseau, il plie, mais il ne rompt pas.